Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de vos Asparbales. On est à bord d'un char que j'ai jamais commenté, je crois, le LT-432, un char léger tiers 8 russe. Et à bord, par contre, lui, on l'a souvent vu, ça va encore gueuler dans les commentaires. Ouais, on voit que lui, c'est tout le temps lui. Bah, mais j'y peux rien, hein. Il arrête pas d'envoyer des replays et puis on en élimine beaucoup. Mais à certains moments, bah, on est obligé d'en garder certains, surtout quand il nous sort des chars que personne ne sort. Donc du coup, bienvenue à Nils. Nils qui est à bord de son LT-432, qui est tout petit dans cette partie vu qu'il y a du tiers 10, mais on va voir ce qu'il peut nous faire. Et en général, Nils il fait des belles choses. Et il est en spot passif pour l'instant, donc il évite de tirer pour ne pas se faire repérer. Il reste dans son buisson, bien tapi dans son buisson, à attendre patiemment son heure. Et pour l'instant, il engrange les points de spot grâce à son assistance. Vous pouvez voir, ça monte, hein, légèrement, mais régulièrement, ça monte. Visiblement. Attention, le BR. Non, c'est un lynx. C'est un lynx qui est en train de se promener. Attention que il ne se fasse pas repérer par le lynx. Le lynx qui est en train de se promener un peu partout. Et le Waffenträger qui prend cher. Par contre, il y a des gens qui essayent de tirer. Je ne sais pas sur quoi. Là, on entend des tirs qui tombent à côté de Nils. Mais je ne sais pas sur quoi ça tombe. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouh, il a tenté le tir. Il réussit le tir sur le lynx. Très joli tir de Nils sur le lynx. Le lynx qui est en train de se promener. Qui prend des tirs. Et re-joli tir de Nils. Deux tirs tentés, deux tirs touchés sur les chars à roues. C'est pas facile. Hein. Les chars à roues, c'est vraiment compliqué de caler des doses dedans. Il faut réussir à anticiper la vitesse à laquelle il se déplace et c'est vraiment pas évident du tout. En tous les cas, très joli tir de sa part. Il se demande, voilà, je le sentais bien le Nils, je le sentais bien. Il était hésitant, il se disait, ouais, est-ce que je reste là, est-ce que je reste pas là. Finalement, il décide de partir. Il décide de partir, ça le démangeait, on sentait bien. Il y avait les gens qui le démangeaient. Donc du coup, il décide de partir, il a spoté un AMX-50-100 qui est tout là-bas. Il n'a toujours pas été spoté, lui, a priori. Il va arriver, il cherche la faille, de manière à pouvoir... Oh ! Il cherche du monde aussi, surtout. Il est tombé sur Annie, chasseur de chars. Si quelqu'un pouvait mettre des doses dans ce nid-là, ça ferait plaisir à Nils parce que ça lui permettrait de faire plein de dégâts grâce à l'assistance. Ça serait sympa. Voilà, il y a un tir d'artillerie qui est passé. Il y a peut-être des dégâts par assistance qui est passé, mais vu qu'ils étaient plus potés, on ne le saura pas ou on ne le saura qu'à la fin de la partie. Là, il va refaire un passage pour essayer de les respotter. Voilà, joli. De nouveau, par contre, ils sont partis. Ouh, joli! Il a réussi à faire ricocher un tir avec son cucu. Nils, comme quoi Nils a le cul ferme. Et oui, on ne le savait pas, mais maintenant on le saura. Et, oui, mes blagues me font rire moi-même. Mes blagues nulles me font rire. C'est grave, docteur. Le 703-2 qui est tout là-bas, faudrait faire attention parce que sur la chair légère, à mon avis, un double tir, ça fait très mal. Quelqu'un qui a essayé de lui tirer dessus, là. Donc il a dû être spot à un moment donné. Il essaye de nouveau de spotter les gens qui sont au bout de la colline, là. Là-bas, on a un FV qui essaye de se déplacer ou une FV qui essaye de... Ouh, elle a eu mal la EV. Ouh, elle l'a senti passer. Ouh là là, le gris 15 qui lui a mis la petite dose. Il y a quelqu'un qui l'a aidé. Et waouh, enfin la petite dose, la grosse dose sur ce coup là. Waouh, très très mal. Ils ont eu très mal là. Le Waffenträger qui est juste là. Le 121B qui est juste derrière aussi. Attention à lui. Il peut faire très mal. Oui, c'est ça, 121B, j'avais un doute. 121B qui est juste derrière. Ouh, là, par contre, c'était joli de mettre des doses, de réussir à mettre des doses dans le flanc du 703-2 et de le faire sauter. Waouh, GG, ce qui permet à son équipe de gagner le château.
très bonne occasion là. Ça donne l'avantage à son équipe puisque ça leur permet d'avancer sur le château et de gagner la maîtrise du château. Et ils vont pouvoir tirer sur le Waffenträger notamment. Et sur le 121B. Aïe, un tir, deux tirs dans le cul. Ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Ouh, surtout qu'il a utilisé son kit et qu'il a, il est immobilisé. Heureusement, apparemment, quelqu'un a fait mal, a fait peur au 50-100, ce qui l'a fait reculer. Oui, j'ai rien dit sur le camo de, sur les goûts de Nils pour les camos, mais bon, je le pense fortement, vous inquiétez pas. Je profite de ce moment de, où il ne se passe pas grand chose. Voilà, joli tir sur le 121B, 121P, la chenille, le tir qui passe. Ah, c'était pas prévu ça. Nils, fais quelque chose, vite, 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 vite. Oh, joli! Le RHM qui a sauvé littéralement la vie de Nils. Nils pourra lui faire un gros bisou au RHM pour le remercier parce que là, franchement, il est, je le voyais perdu, notre Nils à nous. Quoi. Le Waffenträger. Waffenträger qui est juste là. Waffenträger qui se prend tous les tirs d'arty et du coup, ça fait des points de spot à Nils. Nils qui est content du coup. Ouh, voilà, il a tiré. Ça met un peu de temps à recharger. Tu peux mettre la dose et le sortir. GG. GG sur ce coup-là. Très bonne gestion. Voilà, normalement, ils ont nettoyé cette, ce côté-là. Il y a peut-être du monde en K1, K2, il y a peut-être du monde. Nils, justement, se pose la question. Mais n'y aurait-il pas du monde là-bas? Mais non. Il se dit que non. Ah si, bah si, il y a quelqu'un, il y a un T28 Proto qui est en train de se promener dans la pampa. Je ne sais pas si Nils l'a vu, mais Nils pourrait peut-être faire des tirs sur le T28 Proto. Ah, je crois que Nils l'a vu. Non, il ne l'a pas vu. Si, il l'a vu. Nils a vu le T28 Proto. Nils décide de rusher le T28 Proto ou de s'avancer vers le T28 Proto. Oh, par contre, il y a un Fauche B qui a été spot. Du coup, Nils a fait demi-tour. Pas con. Pas con, la bête. Oh, par contre, il y a l'artillerie qui a été spot là-bas. Il s'immobilise derrière les arbres pour bénéficier du supplément de camo des arbres et il a loupé son premier tir. Gizzy, t'arrives, Nils. Tu loupes des tirs maintenant. Gizzy, ça va pas, non? Par contre, il était spot. Ouh, joli ricochet sur sa tourelle. C'est qui lui a tiré dessus? C'est... je sais pas. C'est un char. Un char ennemi, je pense. Le Fauche B qui est tout là-bas avec le T28 Proto, c'est le 50. Et le 50 saute devant le Fauche B. C'est dommage, ils avaient gagné le château. Voilà, il y a peut-être... Oh, joli! Joli! Le gris 15 qui fait sauter le T28 Proto, le gris 15 qui est sur la colline. Derrière Nils. Par contre, attention, il y a un Fauche B, ça peut faire mal. Très mal, même. C'est assez mobile, c'est assez rapide. Donc ça peut se relocaliser rapidement. Faudrait peut-être aller faire sauter l'artillerie. Oui, apparemment, c'est ce que pense aussi Nils, vu qu'il se dirige vers l'artillerie. Il y a quelqu'un qui a été spot là-bas. Ok, mais on s'en occupe pas. On va essayer de faire sauter l'artillerie pour enlever une épine de notre pied, de la chenille de notre équipe. Même si une épine, ça doit pas faire grand mal à une chenille, on ne sait jamais. Ah, Nils, non. Finalement, non, non, Nils ne va pas aller chercher l'artillerie. Ce n'est pas pour Nils, les artilleries. Ce n'est pas assez dangereux, les artilleries. Il préfère jouer avec les Fauches B, Nils. Parce que les Fauches B, ça représente un plus gros challenge, vous comprenez, et tout ça. Et... mais par contre, le Fauche B ne le voit pas, là. Donc, il n'y a pas franchement de challenge. Il faut que tu te rapproches, Nils, pour qu'il y ait du challenge, là. Parce que là, franchement, il n'y a pas de challenge. Ah, bah du coup, le Fauche B vient le chercher. Nils, bon courage. Et Nils, là, dans sa tête, il est en train de dire « Mais pourquoi il n'y a personne de mon équipe qui tire sur lui? Mais faites quelque chose! Il vient vers moi !» Par contre, il s'approche beaucoup, là, Nils. Nils? T'es sûr de ton coup, là, Nils? C'est un Fauche B, quand même. Le RHM va-t-il réussir à mettre une dose dans le Fauche B avant que Nils meure? Ah, le Fauche B, on le voit plus. Voilà. Ouh, il a réussi à le circle. GG Nils qui a réussi à se mettre dans le cul du Fauche B. Fauche B qui est là. Attention à rester dans son cul, à pas se faire avoir. Ouh, ouh, ouh. GG, joli support de la FV4005 qui a réussi à faire sauter... non, pas la FV4005, la FV3005
qui a réussi à faire sauter le Foch B, la 4005, elle est de l'autre côté complètement et n'a pas du tout aidé Nils. Honte à elle. Attention, on a un Nudes. On a un Nudes qui est au milieu. On a aussi un GW Tiger. Ah, je pense que Nils peut se permettre d'encaisser un ou deux tirs, mais on va être prudent quand même, surtout qu'un tir enchaîné de Udes plus d'artillerie, ça pourrait faire mal. Nils qui s'arrête pas, qui reste en mouvement pour éviter les tirs d'artillerie et qui met les doses dans l'Udes. Voilà, qui réussit à faire sauter l'Udes. Ils étaient à deux dessus. Et surtout, Nils ne s'est pas arrêté, surtout, et il continue à zigzaguer. Par contre, là, il a peut-être fait une erreur parce que revenir vers le RHM, c'était tenter l'artillerie. Vu qu'il y avait deux chars côte à côte, du coup, l'artillerie pouvait se permettre de tenter le tir. Elle était sûr d'en toucher au moins un des deux, mais Nils va se venger et va faire sauter l'artillerie. Voilà, il réussit à arriver discrètement sans se faire spotter et il va faire sauter. Ah bah non, il s'est fait piquer le kill par l'artillerie alliée. En tous les cas, très belle partie de Nils avec un char qu'on voit pas souvent. Et même si son camo était très moche, il remporte quand même un as du char, une patrouille, 3026 de dégâts, 4 kills, 1556 d'expérience, un petit 300 de dommages bloqués grâce à son armure, et 4929 de dommages grâce à son assistance. Très belle partie de spot de la part de Nils sur le LT-432. Franchement, très plaisant à regarder. Malgré le camouflage. Et pour le deuxième replay, on se retrouve à bord du King Tiger C de M. Gixon, qui est en peloton avec Super Speed 3 avec son T-34-100. Le King Tiger, qui est le char que vous pouviez avoir avec Twitch Prime d'Amazon. Et en plus, avec Twitch Prime, si vous prenez Twitch Prime, si vous prenez Prime d'Amazon tout court, pas Twitch Prime, si vous prenez Prime d'Amazon tout court, en fait, pour être livré en je sais plus combien de temps, là, super rapide. Eh bien, après, vous avez Twitch Prime. Et Twitch Prime, en fait, ça permet de s'abonner gratuitement à une chaîne Twitch tous les mois. Et pourquoi pas Balrog, la chaîne de Balrog, la chaîne Twitch de Balrog. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Twitch de Balrog. On se rigole pas mal dessus. On fait de la variété. On fait pas que du World of Tanks. On fait plein de choses. Et on se marre bien, en règle générale. Et M. Gixon qui s'avance avec son King Tiger C. King Tiger C qui est un Tigre 2 un peu descendu au tiers 7, on va dire, et donc qui était disponible à un moment donné, vient. Ouh, attention, ouh, t'as de la chance, le KV2 qui t'a loupé, qui était disponible à un moment, si vous preniez un abonnement Twitch Prime, vous aviez la possibilité d'avoir ce King Tiger C. Après, la grosse différence avec les autres jeux, c'est que dès que votre abonnement Twitch Prime n'est plus valide, eh bien, vous n'avez plus le char. Le char n'est plus disponible dans votre garage, ce qui est un peu... exagéré, je trouve. Parce que, à ma connaissance, Wargaming est le seul jeu qui marche comme ça. D'habitude, les autres jeux, en fait, vous avez un contenu avec le Twitch Prime et vous gardez à vie, en fait, que vous ayez toujours Twitch Prime ou pas. En tous les cas, on est à bord du King Tiger C et il faut que je m'intéresse un peu à la partie de M. Gixon qui nous retient un peu toute la partie. Il faut que j'agrandisse la map aussi, j'avais pas fait. Alors que Super Speed vient de sauter. Je ne sais pas où il était, ça a été tellement rapide, je ne l'ai pas vu, mais il a sauté. Donc il a sauté quoi. Hein. Donc on va s'intéresser à la partie de M. Gixon avec son Tigre 2. Le King Tiger. 242 dégâts, 203 de pénétration. Les obus premium, c'est du 242 dégâts, 237 de pénétration. Les obus HE, c'est du 295 de dégâts et du 44 de pénétration. Alors qu'il scrute son cul et qu'il réussit à faire sauter le Challenger qui était aux prises avec 3 chars. Par contre, il avait tourné la tourelle et du coup, il s'est pris une dose dans le flanc de la tourelle de la part de l'ARL 44 qui a beau avoir un tier 6, qui a un canon qui est quand même super efficace et qui a mis une dose dans le flanc de ce King Tiger C avec sa petite étoile américaine dans le cul de tourelle.
En fait, c'est censé être un tigre 2 capturé par les Américains, ce King Tiger C. Et le T-34-85e, il y a un T-34-85e qui est en train de se faufiler derrière là-bas. Quand on regarde sur la minimap, il est entre le KV-85 et le KV-2. Un peu inquiétant. Ouh, attention, tu présentes ton flanc. Ah, la RL-44 qui joue super bien, la RL-44 en face. Hein. À chaque fois que M. Gibson présente son flanc ou regarde ailleurs, tout de suite il saute sur l'occasion et met la dose. Très bonne réactivité de la RL-44 qui est en face. Et ça continue à passer au milieu. Il y a un L4 maintenant qui est en train de rejoindre le T-34-85M. Hein. Faut faire attention à son cul, M. Gibson. Ah, peut-être moyen de mettre une dose au T-29 qui est en face. Ah, il a été spoté. Par qui, par quoi, je ne sais pas. Peut-être moyen de mettre une dose au T-29. Non, le T-29 est parti, je ne sais pas où il est. Ouh, par contre, là-bas, on a un char. Un L4. Un super L4 qui vient de sauter. Pauvre bête. Ouais, ça n'a pas de blindage, ces bêtes-là. Hein. C'est très difficile à jouer, les super L4. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer un super L4. Il ne suffit pas de mettre un slip par-dessus son collant. Non, non. Il y a du skill, de la maîtrise pour en arriver à faire des bonnes parties avec. Et surtout, être super prudent, être super attentif à la minimap et ce qui se passe autour de vous. Être aware, comme dirait Jean-Claude, de manière à pouvoir prédire un peu ce qui se passe. Et pour l'instant, ça va, ils ont l'avantage numérique, tout se passe bien. Il n'a pas fait grand-chose, M. Gibson, pour l'instant. Il a pris deux doses de l'ARL 44. Et il a mis quelques doses, quand même. Par contre, il a perdu beaucoup de vie sur ce début de partie. Donc, il va falloir être prudent, maintenant. Et éviter de se prendre des doses comme ça dans la tronche. Enfin, heureusement, l'IS était à la HE. Sans doute pour essayer de pénétrer l'autre char qui ne montrait que sa tourelle. L'autre IS qui ne montrait que sa tourelle. Sans doute. Attention au T29. Attention, il y en a un qui est en train de traverser le KV2. Ouh ! Heureusement que le KV2 n'a pas tenté le tir en roulant. Le tir... what the fuck ? Le tir sans visée. Qui aurait pu passer si jamais Staline avait été avec lui et avait guidé son obus. Le OI qui loupe son tir. Ah, la RL-44 toujours à l'affût. Hein. Vous avez vu, il a vu que M. Gibson a tiré. Tout de suite, il s'est avancé. Très bon jeu de la RL-44. Hein. Très très bon jeu. Toujours à la limite. Hein. Toujours à la limite. Pour que Gibson ne puisse pas lui tirer dessus. Voilà, je lui tire sur le OI. Le OI qui a pris sa dose. La RL-44, la RL-44... Ah, la RL-44 n'a pas vu qu'il a tiré, mais en même temps, il ne peut pas s'avancer, parce qu'il y a l'IS qui le surveille, donc il ne peut pas s'avancer. M. Gibson qui donne un peu d'angle, qui utilise très bien la carcasse qui est devant lui pour se protéger du OI, et pour ne montrer soit le flanc avec un angle totalement improbable, soit la tourelle, et la RL-44, encore une fois, qui s'est avancée juste après que M. Gibson ait tiré, mais malheureusement pour lui, il y avait l'IS juste en face. Par contre, ça enlève un problème à M. Gibson, vu que la RL-44 a sauté. Par contre, là, il est en train de montrer, de signifier à Louis qu'il est en train de partir, vu qu'il a été spoté. Mais il a décidé de partir à l'aide de... Non, qu'est-ce qu'il décide de faire? Oui, qu'est-ce que tu décides de faire, M. Gibson? Un char qu'on voit pas souvent, c'est pour ça aussi que je le montre, ce char. Le King Tiger C. Il décide de partir en retrait, de se faire oublier, de prendre de la distance par rapport à l'OI. Ah, de se mettre dans la rivière d'urine. Il va sentir bon ton char, toi. De manière à être en hold-on et pouvoir tirer, c'est malin ça, et pouvoir tirer sur le OI qui s'avance tranquillement sans que le OI puisse lui tirer dessus en retour ou qu'il ricoche tout simplement. Joli tir de nouveau sur le OI.
Et le tir qui passe, il fait sauter le OI. Et oui, il est parti dans le... Ah, il est tout seul! Je n'avais pas vu, ses deux copains ont sauté. Le bidule qui était derrière a sauté aussi. Donc du coup, il se retrouve tout seul face à deux. Est-ce que les deux qui restent vont bien gérer et vont jouer en équipe, comme peuvent le faire dans ces situations à peu près, on va dire, 5% des gens? Ou alors, est-ce qu'ils vont faire de la merde comme les 95% des autres? Ah, moi, je pencherai pour les 95%, mais on va voir. Par contre là, M. Geekson, il faut que tu t'appliques parce que maintenant tu n'as plus droit à l'erreur. Et là, ce que tu viens de faire, tu as eu droit à une fois de louper ton tir, mais tu n'auras pas deux fois la possibilité de louper. Donc tu vas t'appliquer un petit peu. Ouh, joli, il a essayé d'appliquer, il a fait sauter l'IS. C'est dommage que le T-150 n'en ait pas profité pour mettre la dose dans le flanc de tourelle de M. Geekson, parce que là il avait la possibilité. Par contre là, le T-150 est très mal parti et normalement... J'allais dire, M. Geekson va faire sauter facilement, mais M. Geekson a loupé son tir et a fait ricocher. C'est un tir de ricochet, là, un concours de ricochet. Encore ? Mais non, mais fais quelque chose ! Fais quelque chose ! M. Geekson, enfin, applique-toi ! Ah, voilà ! GG ! GG, par contre, il lui reste quasiment plus. Espérons que le T-150 n'ait pas l'idée de charger de la HE. Et non, il n'a pas eu l'idée puisqu'il est mort avant. C'est qui est un peu con. Parce que je comprends pas pourquoi le T-150 a bougé. Parce que je pense qu'il avait la possibilité de charger une HE et de faire sauter M. Geekson sur cette dernière action. Un as du char, un spartiate, un mur d'acier. Tiens, ça va être intéressant de voir le nombre de dommages qu'il a bloqué grâce à son blindage. Un gros calibre, un guerrier de la part de M. Geekson dans son King Tiger, un char que j'ai peu vu en replay. C'est aussi pour ça qu'il passe ce replay. 2886 de dommages, 6 kills, 1308 d'expérience et 2780 de dommages bloqués grâce à son blindage. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais bon, en même temps, il était top tiers. Avec que du tiers inférieur ou du tiers équivalent, donc c'est pas mal. Par contre, ce King Tiger là, dès qu'il tombe face à du tiers 8, tiers 9, c'est très compliqué et vous ferez pas grand chose. Je trouve qu'il est encore moins facile à jouer que le T29 par exemple, parce qu'il est, enfin, je sais pas, après ça dépend des gens, mais moi perso, c'est mon avis. Je l'avais essayé quelques parties et c'était pas ça du tout. Je l'avais pas du tout apprécié. Voilà, c'était le dernier replay de cet épisode de Vos As Pas Mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le j'aime, le commentaire qui fait plaisir pour le référencement. Et sur ce, pensez à aller voir les autres vidéos, elles sont bien. Il y a Balrog dedans. En plus, c'est pour vous dire si elles sont bien. Et n'hésitez pas à, je sais pas que faire. En tous les cas, portez-vous bien, faites attention à vous et on se voit à la prochaine fois. Ciao.